L'investisseur milliardaire et philanthrope George Soros est réputé pour sa brillante carrière dans la finance et son inlassable dévouement aux causes sociales. Mais peu de gens connaissent la femme qui s'est tenue à ses côtés à ses débuts en Amérique, Annaliese Witschak, sa première épouse. La première femme de George Soros, Annaliese Witschak, partageait sa passion pour les arts et se tenait à ses côtés lorsqu'il s'efforçait de bâtir sa fortune aux États-Unis. Annaliese Witschak est l'ex-épouse de Soros, un éminent homme d'affaires et philanthrope hongro-américain qui s'est fait connaître en tant que magnat des fonds spéculatifs. George Soros lors du deuxième jour du Concordia Summit de 2016 au Grand Hyatt New York le 20 septembre 2016 à New York City. Source, Getty Images. Soros a géré des fonds de clients à New York pendant plus de 4 décennies, accumulant une fortune d'environ 6,7 milliards de dollars. Sa réussite ne se limite pas au secteur financier. Son dévouement aux causes sociales par l'intermédiaire de l'Open Society Foundation est également remarquable. Alors que Soros bâtissait sa fortune, Annaliese Witschak partageait sa passion pour les arts et a été une source inépuisable de soutien lors de ses débuts aux États-Unis. George Soros et sa famille ont été contraints de se cacher au printemps 1944 pour éviter d'être déportés dans un camp de concentration par les nazis. Trois ans plus tard, en 1947, Soros a quitté la Hongrie et a immigré en Grande-Bretagne. Près d'une décennie plus tard, en 1956, il s'est installé aux États-Unis. Soros a posé ses valises à New York, où il a rencontré Annaliese Witschak. Il travaillait dur pour gagner de l'argent, achetant par la suite une Pontiac d'occasion et louant sa propre maison sur la plage dans les Hamptons. Soros a rencontré Annaliese Witschak lors d'un concert en plein air à Tanglewood dans les Berkshires, l'une de ses premières sorties en Amérique. C'était une jeune et élégante Allemande qui avait immigré aux États-Unis en tant qu'orpheline et survivante de la guerre. N'ayant que peu de liens avec l'Allemagne, elle est venue à New York pour travailler dans une compagnie d'assurance, où elle saisissait des données sur des cartes perforées. Soros et Annaliese Witschak, qui partageaient les mêmes intérêts pour la musique classique et les arts, ont commencé à se fréquenter et passer les week-ends ensemble à la maison près de la plage. George Soros était un sportif passionné et aimait jouer au tennis, nager et skier. Un jour, alors qu'il jouait au tennis avec Annaliese Witschak, elle s'est malheureusement cassé la jambe. George Soros et son épouse Tamiko Bolton assistent à l'ouverture officielle de l'European Roma Institute for Art and Culture au ministère allemand des Affaires étrangères, le 8 juin 2017, à Berlin, en Allemagne. Getty Images. Sans hésiter, Soros l'a emmenée dans son appartement, où ses parents ont pris soin d'elle. Au fur et à mesure de son rétablissement, elle a tissé des liens étroits avec la famille de Soros. Ce lien s'est renforcé au fil du temps et, en 1959, Soros a quitté la maison de son père pour emménager dans l'appartement de Annaliese Witschak à Greenwich Village, ce qui a marqué une nouvelle étape dans leur relation. George Soros et Annaliese Witschak se sont mariés en 1961. À l'époque, Soros était encore employé chez F. Et vivait dans un modeste appartement avec sa femme. Pendant leur mariage, Soros, homme d'affaires et investisseur prospère, consacre la majeure partie de son temps à son travail. Néanmoins, Annaliese Witschak restait optimiste et pensait qu'il finirait par accorder plus d'importance à sa vie personnelle une fois qu'il aurait atteint la sécurité financière. Soros et Annaliese Witschak ont eu trois enfants, Jonathan, Robert et Andrea. Soros préférait ne pas inviter ses collègues d'affaires chez lui,
choisissant de passer du temps avec des personnes comme Francis Booth, un architecte, et sa femme, Patricia, une thérapeute. George Soros entretient avec Grant Clark de Bet News sur les contributions de son organisation à la lutte mondiale contre la pandémie de sida, le 4 octobre 2006, dans les bureaux new-yorkais du Soros Foundation Network. Source, Getty Images. Robert se souvient que son père parlait souvent de ses souvenirs de guerre, de l'importance de rester en vie et de la façon dont il avait survécu malgré le conflit. Ils discutaient souvent de littérature, d'idées, de culture et de leurs enfants. Ils sortaient souvent dîner ensemble. Pendant l'été, les deux se rendaient souvent à la maison de plage des Soros. Soros et sa famille menaient une vie luxueuse, enrichie de sensibilité artistique. Leur appartement de 4 chambres à coucher offrait une vue pittoresque sur Central Park. Soros a traversé une crise de la quarantaine qui a entraîné des changements spectaculaires dans sa vie. Leur maison était ornée d'œuvres d'art originales d'artistes hongrois. Bien qu'ils n'aient pas engagé de chauffeur, ils ont employé une femme de ménage, même si Anna Liesevitchak aimait cuisiner elle-même. J'ai un passionné de cuisine et apprécie une grande variété de plats, notamment français, italien et asiatique. Robert et Andrea ont été scolarisés dans des internats de luxe, et Jonathan a fréquenté un collège privé. Bien que leur mode de vie soit confortable, il n'est pas excessivement luxueux. Malgré son aversion pour la charité, il a fait un don à une bonne cause. George Soros pose pour une photo le 2 mars 2013 à New York. Source, Getty Images. George Soros a traversé une crise de la quarantaine qui a entraîné des changements radicaux dans sa vie. Son désir d'une vie plus médiatique a provoqué l'échec de son mariage avec Anna Liesevitchak, qui durait depuis 20 ans. Anna Liesevitchak voulait plus d'intimité, mais Soros voulait une grande image. Mais il a ensuite reconnu ses lacunes en tant que père et a suivi une thérapie pour faire face à ses propres traumatismes d'enfance. Et le succès de son fonds à la fin des années 1970, les tensions liées à son mariage ont affecté ses affaires. Soros et Anna Liesevitchak se séparent en 1978. George Soros s'exprime lors d'un forum sur la réponse mondiale aux inondations au Pakistan, à l'Asia Society, le 19 août 2010, à New York. Source, Getty Images. Le jour de sa séparation avec sa femme, George Soros a rencontré Suzanne Weber. Avoir divorcé à l'amiable de Anna Liesevitchak en 1981, il a épousé Weber en 1983. Par la suite, Anna Liesevitchak a mené une vie privée. En 1997, selon le New York Times, elle a siégé au conseil d'administration de Young Concert Artists Incorporated, une organisation basée à New York qui offre des ressources et des opportunités aux jeunes musiciens classiques doués. En outre, elle prenait plaisir à assister aux événements familiaux. Son apparition publique la plus marquante remonte à 1997, lorsqu'elle a assisté au mariage de son fils Jonathan avec Jennifer Allan. Jonathan Soros et Shelley Malkin assistent au 14e dîner annuel des fêtes de la CRIA présenté par le magazine InStyle et Urban Zen au Stephen Weiss Studio, le 9 décembre 2009, à New York. Source, Getty Images. En 2000, Vitchak a également assisté à la fête d'anniversaire des 70 ans de Soros au Southampton College, où il a invité 500 amis et associés à une fête sur le thème de la musique et de la danse hongroise. Vitchak et Soros semblent toujours amis, même s'ils ne sont plus ensemble. Ils continuent à se soutenir mutuellement à distance. Dès la fin de son mariage avec Weber en 2005, Soros a épousé sa troisième et actuelle femme, Tamiko Bolton, en 2013.
L'ancien couple fait partie des couples de célébrités qui ont divorcé à l'amiable, comme Bruce Willis et Demi Moore, ou Gwyneth Paltrow et Chris Martin. Lire aussi, Ted Danson, 75 ans, prépare toujours le petit déjeuner au lit pour sa femme depuis 27 ans. Ils ont fondé une famille recomposée dans un ranch tranquille. Pour lire davantage d'articles sur vos stars préférées, abonnez-vous à Momama sur...